J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode je sais plus combien de 2 joueurs, une partie. Le principe est simple, un coup je fais 20 minutes, un coup Elantia fait 20 minutes. C'est Yayo Sengard et Judy Dreams qui ont inventé ce concept, nous n'avons rien inventé. Qu'est-ce qui s'est passé putain? Alors, je vous invite à aller voir les épisodes précédents si vous venez d'arriver. Et évidemment les chats commencent à faire des cons quand je commence à tourner. Ok, donc Elantia t'es comme ça, tu fais le mariage. Rien à foutre. Bon, en même temps, fallait bien le faire un jour. Alors, oh, mais elle a rajouté plein de choses. Alors, pardon, mais la séance jardinage à côté des cadavres, c'est tip-top, tip-top. Donc, pour vous résumer... Pourquoi elle est triste? Endeuillée? Quoi? Qui est mort? Qui est mort? C'est pas Germaine? Non, c'est bon. Mais qui est mort? Qui c'est qui est mort? Ça me fait peur là. Et elle, elle est endeuillée ou pas? Oh, mais c'est qui est mort? Parce que Nancy, Jack, Luna et Hugo en soi, on sent pas les couilles quoi. Mais c'est qui est mort? Pourquoi ils sont endeuillés? Arrête, j'ai flippé là, Max. Il serait peut-être temps de devenir pote avec ce petit gosse. Oh non, mais attends. D'ailleurs, lui, il est très triste parce que... Pff, le pauvre gosse. Il est en train de crever. Alors, oui, donc, je... Donc, c'est vrai que... Oh, mais c'est trop beau ce qu'elle a fait. Mais c'est... Mais je kiffe. Mais Lancia, c'est trop beau ce que t'as fait. J'aime bien, moi. Oh, c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. Ah, j'adore. Bon, par contre, du coup, je vais juste faire un petit truc. Alors, je vais juste mettre les plantes là-dedans. Voilà, c'est très passionnant. Et ça, peut-être un peu plus par là, parce que voilà. Et voilà, voilà, et voilà. Par contre, les tombes, je vais peut-être les mettre plus loin, du coup, parce que là, ça fait un peu crapouillon. Crapouillon, c'est un nouveau mot. C'est très beau comme mot, d'accord? Ou pas? Du coup, est-ce que Ginette est enceinte ou pas? Gigi. Notre Gigi nationale. Elle avait bien compté, hein, Elantia. Elle avait très très bien compté. Mais Crotum. Oh, la caméra est complètement sur le côté. C'est bien, c'est génialement cadré. Du travail de pro. Par contre, moi, ça m'embête qu'il y ait des tombes aussi proches, quoi. On va plutôt les foutre ailleurs. Genre là. Mais c'est trop beau ce qu'elle a fait, mais j'adore. Alors oui, j'avais relooké la maison. Donc elle m'a dit qu'elle avait rajouté sa petite touche personnelle, ce qui est normal. J'ai peur. J'ai peur de ce qu'elle a fait. Je vois pas trop de changements, là. Enfin, après, je m'en rappelle plus. Ça fait quelques jours, semaines que je n'ai pas trop joué. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de roses. Donc ça, déjà, c'est bien. J'avais complètement oublié de relooker cette salle de bain. Tout va bien. Par contre, j'ai bougé parce que... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette magnifique chambre rose. C'est moi qui l'ai faite. C'est pour Max, le pauvre. Et... Oh non, il a détruit sa maison, ce petit con. Bon, tant pis. Enfin, je crois pas que les enfants puissent détruire la maison. Ah, elle a ajouté ça. Non, non, mais qu'est-ce qu'elle a ajouté? Qu'est-ce qu'elle a changé? Ben, je crois qu'elle a fait l'extérieur. Ben, en tout cas, l'extérieur est magnifique.
Magnifique, mon chéri. Bon. J'espère que le son du jeu est pas trop fort. J'ai pas du tout fait de test de son. C'est cool ma vie. Donc, bah franchement, c'est beau. On est en train de se marier. Je ne vois pas du tout les objectifs. C'est génial. Boire un verre, apparemment. Donc, oh, pauvre petit boudin. Ah, on peut pas boire de verre? Tu peux pas lui commander une boisson? Bah, elle est là, le mixologue, non? Ok, donc ce gosse ne sert à rien. Viens ici, sale gosse. Est-ce qu'elles sont mariées au moins? Oui. Bon, c'est déjà ça. Bah, buvez, les filles, hein, j'ai envie de dire. Il faut qu'on ait une médaille en or. Par contre, le son a vraiment l'air fort. Elles sont trop belles. Ah, je crois qu'elle est enceinte. Gigi, t'es enceinte? Mais. Oui, elle est enceinte encore. Ça, c'est cool quand on a une Sims avec un kiki. Bon. Il dit comme ça, c'est super. Bon, du coup, ils boivent ou pas? Oh la vache, elle a grave envie de faire pipi. Oh, et l'ancien s'est encore pas occupé des besoins. Alors attendez, parce que ce pauvre gosse est en train de décéder. Va jouer au PC, tiens. Joue à un jeu. Joue à Vive les Sims. Oh, pauvre petit Max. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Non mais il va pas dormir, c'est bon. Et il y va quand même, hein. Alors, la Ligue des Aventuriers. Les rebelles. Bah tu sais quoi, on va quitter ce club. On va dire que. On peut pas dire. On peut se casser. Voilà. Oui. Parce qu'on n'est plus un rebelle, on est un enfant modèle maintenant. Voilà, qui va jouer au PC. Putain, le social, c'est infect. Oh, Kian, je t'en supplie. Kian, n'importe quoi. Ginette, je t'en supplie, va faire pipi. Elle n'y va pas, c'est génial. Donc elle va se pisser dessus. Oui, mais vas-y, grosse morue. Bah voilà, c'est génial. Vas-y, pisse-toi dessus, je t'en prie. Non, mais elle m'obéit pas. De toute façon, ils m'écoutent pas, les Sims, ils en ont rien à foutre. Elle est très heureuse de cette pisse dessus quand même. Mais pourquoi elle fait pas ce que je veux? C'est enquiquinant. Bon, tu peux. La meuf qu'on a jamais assez, tu sais. Allez, je bois les deux verres en même temps. Oui, bah bois-les. Arrête de discuter et bois-les tes verres. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Elle a invité Don à notre mariage. Merci. Eh ben, tu sais quoi, Don, tu vas venir dans notre cave. Tu peux te dépêcher, Kian, par contre. Non, mais il s'en fout quand je clique là, ça marche plus. Qu'est-ce que c'est que ce bug encore? Mais quoi? Mais pourquoi vous faites pas ce que je... Attendez. C'est chiant, mais c'est chiant. Voilà. Merci. Donc maintenant, vous allez faire ce que je demande. Parce que là, ça devient relou. Non, bah, va pas pisser, en fait, je suis bête, moi. Vraiment très relou. Alors, tu y vas et tu nous emmerdes pas. Toi, va faire pipi vite. Genre, tout de suite. Il faut faire quoi? Manger des plats, non? Discuter. Je sais pas, moi. Amical. De choix. Remercier d'être là. Non, mais lui, j'ai aucune envie de le remercier d'être là, quoi. On va quand même le remercier pour l'objectif, mais c'est tout, hein. Manger des plats. Maniez-vous. Non, mais c'est une blague. Pourquoi elle peut pas y aller? Viens ici. Toi, t'es où? Viens là. T'es où, Ginette? Qu'est-ce qu'elle fout? Mais ils sont buggés ou quoi? Allô? Vas-y. Oh. Ah, mais c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Ah, c'est peut-être parce que... Peut-être, je sais pas. Pour pas que les invités squattent, j'en sais rien. Par contre, va pisser. Non, mais genre, va pisser, genre, tout de suite. Non, elle se pisse dessus aussi. C'est génial, ce mariage. Tous les deux mariés se pissent dessus.
Autant il y en a une, elle est enceinte, donc ok, mais alors l'autre, c'est super. Bon, le gosse, tu vas sociabiliser avec elle, hein? Allez. Oh, elle est crevée, mais laisse tomber. Le mariage pourri, quoi. Elles sont mortes, mais regarde, elles sont mortes, quoi. C'est ouf. Est-ce que t'as mangé? Elle a toujours pas mangé. Mais elle se fout de ma gueule, cette Simset. Ok, l'autre, il fait que des pâtisseries. Bah, allez prendre une portion, tout le monde, là. Allez, toi aussi, va manger. Hop. Voilà, bon, son social, ça va mieux. Allez, on arrête de jouer, maintenant. Allez, go. Oh non, elle va bosser. Non, vas-y, s'il te plaît. Dis que t'es malade. Ah, prendre un jour de congé, voilà. Est-ce que c'est bon? Elle s'est rhabillée, genre au calme. Oh, tous les gâteaux qu'il y a. Laisse tomber. Tire à ranger tout ça, sérieux. Oh, le bordel. Bon, le petit là, il va ranger aussi, faut il faut qu'il serve à quelque chose. Par contre, mais en fait, moi je m'en fous de ce gosse. Je m'en balègue de ce gosse. Et la petite là-haut, elle va bien? Ça a l'air d'aller. Bon, c'est déjà ça. Et le mariage, du coup, c'est bon, on a eu ce qu'il fallait. Alors, tu vas ranger, ranger. Oh là là, tout ce qui a à ranger, laisse tomber. Est-ce qu'on a bien engagé une bonne? Parce que là. Hop, d'ailleurs, il s'est passé quoi? Alors, jardinier s'est occupé des plantes, machin, manger pour deux. Tout le monde arrive. L'école est finie. Et on ne s'en sort pas très bien. D'accord. On est mercredi. Heureusement que je lui ai dit de pas y aller. Bon, tant pis. Bon, bah, c'est toi qui vas ranger, ma vieille, hein. Quand tu veux, par contre. Non, t'es obligé de faire tout le tour pour. Non, mais c'est une blague. Oh, elle me saoule, mais elle me saoule. Ranger, ranger. Le petit, tu veux bien ranger, s'il te plaît? Bon, il veut bien, c'est déjà ça. Et puis elle les prend qu'un par un, tu sais, comme ça va bien être relou, bien être long. Non, pas nettoyer, ranger. Alors, on a assez de plats pour 15 ans, là. Mais pourquoi ils font pas ce que je demande? Ils commencent à me gonfler, mais d'une force, ces Sims. Franchement, j'adore les Sims, mais voilà quoi, pourquoi vous rangez pas? Ah oui, bah ça range pas, c'est dégueulasse. Non, bah laisse tomber. Laisse tomber, ça me saoule. Ça me saoule. Va plutôt lire une histoire au petit, hein, qu'est-ce que je te dise? Zut, la gamine. Toi, viens ici. Voilà, va pleurer dans ton lit. Hop, hop, hop. Pourquoi ils peuvent pas atteindre le frigo? Bon, bref. Est-ce que tu peux lire une histoire au gamin? Non, tu peux pas lui lire une histoire. Ah bah super. Oh, pauvre gosse. Répare ça. Allez, go. Il a envie de pisser. Toujours quand il faut pas, ce gosse. Il n'y a pas une salle de bain là, si. Allez, il va faire pipi vite fait. D'accord, ils sont même pas présentés en fait. Genre c'est sa mère adoptive, mais rien à faire quoi. Bon, laisse-le pisser par contre. Voilà, sinon ça va encore nous. Hop, présentation amicale. Est-ce que tu peux faire connaissance? Consoler à propos de la mort, ça peut être bien ça.
Hop, comme ça on va un petit peu le réconforter, le petit. Parce que bon, quitte à ce que ce soit notre gosse adoptif, autant en prendre soin, j'ai envie de dire. Oh, il me gonfle. Bon, vas-y. Va te coucher, tu sers à rien, Kéane. Merci beaucoup. Toi aussi, tu vas te coucher. C'est super. Heureusement que j'ai désactivé l'autonomie. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ah. On a perdu masse de thunes. Et du coup, on a dû avoir une récompense pour avoir une médaille d'or. Ouh, attends, il y a plein de trucs là. Décoration. Voilà, ça c'est joli. On peut pas changer la couleur. Si, c'est parfait. Ça. Où est-ce qu'on peut le mettre? Y a pas grand place. Ouais, non, on va laisser en blanc. Ça par contre c'est moche. Ça c'est moche. Ça c'est moche. Ça. C'était pas dans le salon, ça. Mais elle a enlevé des trucs. Pourquoi elle a enlevé des trucs? Au pire, c'est pas bien grave, hein. Si, si, c'était dans le salon, ça. Voilà. Ça, on s'en fout. Ça, c'est vilain. Hop. Ça là, le micro-ondes, il n'y en a pas besoin. Et ça peut être sympa. Oh la vache, tout ce qui. Bah, écoutez, pendant qu'ils dorment, je vais m'occuper de ça. Pourquoi on peut rien mettre dans ce frigo? Il est cassé ou quoi? Et c'est agaçant, hein. On peut rien mettre dans ce frigo, c'est une blague. Il est plein peut-être. Oui, il est archi plein en fait. Ça m'embête quand même qu'il y ait autant de bouffe qui soit perdue, donc comment on va faire? On va mettre la poubelle là déjà. Hop. On va mettre deux frigos, écoute. Hein. Voilà qui voilà, inspecteur Gadget. Oui, il y a The Gâteau qui gêne. Hop, du coup là, on doit avoir plus de place. Mais c'est nul. Bon bah écoute. Bon bah écoutez, hein, je vais mettre. Oh non, il y a encore un relou là. Oh mais casse-toi du con. Oh. Ah oui, il va falloir qu'on fasse ça. Où sont les tombes là? Genre, cassez-vous. Allez, lève-toi s'il te plaît. Cassez-vous parce que vous faites du bordel dans ma maison. Est-ce qu'il y a encore des trucs bons ou pas? Genre, tu veux pas le ranger? Oui. Allez, surtout, ne revenez pas. Oui. Oui. Ok. What? Zut, j'ai fait des bêtises. Rire de Jack. Trop méchant. Alors, tu peux ou pas? Ah, Ginette est revenue. Mais là, tu peux. Non, mais what the fuck? Ils se foutent de ma gueule, ces Sims. Ils se foutent carrément de ma gueule. Ok, donc tout est gâté. C'est génial. Tu vas aller voir la petite, toi. On va l'allaiter. Pouit. Alors,
Elle a réalisé une fantastique performance. Bah, c'est cool ça. Non mais range pas, c'est bon, laisse tomber. Est-ce que tu peux changer sa couche? Et ensuite vous allez faire crac-crac comme ça va vous occuper un peu. Oh non, mais d'où elle est triste, mais on s'en fout. Mais c'était pas tes amis! Non, toi tu vas faire craquer. Oh, qu'est-ce qu'il a ce bébé? Je viens de changer sa couche quand même, hein. Faut s'occuper de tout ce petit monde. Elle a combien de mois d'ailleurs? Oh, ça va. Comment ça, elle a pas voulu faire crac-crac? Mais d'où? Mais comment? Mais pourquoi? Mais en quel honneur, Kéane? Mais lui, il peut se casser par contre? Genre, va te faire voir? Non, bah super, alors il sert dans notre frigo, c'est génial. Un fantôme qui mange, on en parle ou pas? Ah bah quand même, vous allez faire crac-crac maintenant? S'il vous plaît, quoi. Voilà, bon. Elle est enceinte, elle a des besoins sexuels, et puis toi aussi, hein. Faut vraiment que je fasse le relooking de cette dame, hein, la pauvre. Faut quand même que je vérifie un autre truc. Oui, je suis désolée. C'est, est-ce que... Ok, Chacha fait ses griffes. Est-ce qu'ils vieillissent bien? Oui. Ok, c'est bon. Allez, go. Eh ben pleure, tu pisseras moins. Est-ce qu'il a même pas fait ses leçons, le pauvre. Le mec, il se lève, il fait le tour de son lit et il retourne dans son lit. Super vie. Voilà, bon, ça lui laisse le temps de faire ses devoirs. Toi, tu vas bien dormir, par contre. Ensuite, tu vas faire pipi. Et voilà, retourne dormir. Ah. Devoir terminer. Est-ce qu'il a bien mis dans son... C'est bon. Il est obligé de faire tout le tour de la maison en fait. Oh la vache, 3 heures plus tard. Alors essaye de te faire des amis peut-être. Il a quoi comme note? D. J'ai jamais eu une note aussi nulle dans toutes mes parties Sims, même en le voulant. C'est abusé. À faire pipi, ok, peut-être le sale gosse. Je pense que je laisserai Elancia faire. Ah, elle va vomir. Tu vomis matinal. Mais tais-toi. Oh. Oh non, elle va chialer parce qu'elle accouche sale. Oui, donc j'ai jamais eu une note aussi pourrie en moyenne, même en le voulant. C'est abusé. On sort pas très bien. Oh. Viens ici, mon petit gars. Non, attends. Déjà, tu vas faire un pissou. Et ensuite, tu viens là. Oh non. Oh, aïe aïe aïe. Tu pouvais te dépêcher, par contre. Ce serait pas mal. Mais il a pas mangé à l'école. Et les mères, elles ont dormi toute la journée. Laisse tomber. Ensuite, tu iras prendre une petite douche. Ah, ça y est, t'es debout, toi. Donc, va faire pipi. Ensuite, on va manger quelque chose. Oui, cet épisode n'est pas très passionnant, mais il faut bien s'occuper de tous ces petits Sims. D'ailleurs, ça fait combien de temps? Ah oui, d'accord, j'ai complètement dépassé le délai. Moi, je pouvais jouer toute la nuit. Donc, ça fait 24 minutes déjà. Donc, je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'ai rien fait, je dirais à Lancia que j'ai rien fait. Bon bah elle a un beau bidon quand même, hein. Ou alors elle a pris du cul, je sais pas trop, peut-être un peu les deux. En tout cas elle est toujours aussi sexy dans son pyjama.
Alors, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas la semaine prochaine l'épisode est dans. Ok, je me perds totalement. La semaine prochaine l'épisode est sur la chaîne d'Elancia. Donc allez-y. Les liens sont dans la description. Moi je vous fais plein de bisous et salut!